Prisma Stone Studios, c'est un projet qu'on a créé il y a 2 ans à peu près. On est une équipe d'une quinzaine de bénévoles autour de cette aventure un peu folle. Et donc c'était finalement un rêve de créer notre propre studio de jeux vidéo, notre propre jeu et notre propre univers. C'est avec cette équipe que nous avons lancé la production de notre premier jeu, Project Oira. C'est un action-adventure narratif en vue troisième personne avec une direction artistique réaliste et surtout une narration mature qui va mettre en scène beaucoup d'émotions assez intenses pour le joueur et pour les personnages. Au début, on avait décidé de partir sur la création d'un petit prototype jouable pour finalement matérialiser les premières images, les premières intentions qu'on avait pour ce jeu. Et puis finalement, ça a pris pas mal d'ampleur. On est parti sur un proto, et puis après une vertical slice, et enfin, on a décidé de release une partie entière donc d'un chapitre, qui est donc la démo, qui sera bientôt disponible pour les joueurs. L'objectif de cette démo, en fait, pour nous, c'est de présenter un condensé du jeu complet, avec du combat, de l'exploration, de la narration, tous les ingrédients que nous allons retrouver dans le jeu. Et le but derrière pour nous, eh bien, c'est de proposer la démo au public, à la communauté, mais aussi aux éditeurs que nous rencontrons, afin de tenter de faire financer la production complète de Project Oira. C'est vraiment un monde fantasy qui est construit de A à Z. C'est un univers qui est absolument unique, dans lequel on veut vraiment immerger les joueurs. Ce monde est majoritairement composé d'une jungle géante très colorée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette apparence sauvage, Oira ne l'a pas toujours eue. Il a par le passé, des siècles avant la trame du jeu, eu un grand cataclysme qui a eu pour effet de complètement raser les civilisations qui composaient le monde. La particularité de ces civilisations, c'est que leur peuple manipulait les éléments. La glace, la foudre, la terre, il y en avait beaucoup et on les appelait les Onavla. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cette grande jungle, on trouve beaucoup de ruines qui témoignent de leur passé. Cette expérience, c'est avant toute chose une aventure qu'on veut proposer aux joueurs. Ils vont pouvoir suivre l'histoire de Eldwyn, qui est le protagoniste. Eldwyn, c'est un Onavla, un manipulateur d'eau qui va s'insérer dans ce tout nouveau monde, finalement, qui est un monde post-apocalyptique. C'est un monde qui est semé d'embûches, avec des dangers à braver constants, puisque ce nouveau monde a fait émerger une nouvelle civilisation d'humains qui ne manipulent aucun pouvoir, les Natare. La plupart d'entre eux sont extrêmement hostiles aux derniers Onavla, aux derniers manipulateurs. Beaucoup de questions vont émerger au fil de l'histoire. Est-ce que c'est le dernier de son peuple, de sa lignée? Est-ce qu'il va être seul dans cette quête? Tout va tourner autour de ce genre de mystère. C'est dans ce contexte qu'Eldwyn arrive dans la région d'Alira. C'est la région que vous allez parcourir dans la démo. C'est la terre des Yokotlali, les manipulateurs de terre, qui est encore nimbée de mystère. Et elle s'inscrit à environ un tiers de la trame du jeu. C'est une étape importante du voyage d'Eldwyn qui va vous permettre de prendre vos premiers pas dans ce monde. Ce qui me marque le plus dans cette démo et dans le jeu, en fait, finalement, c'est de manière générale cette maturité qui va évoluer énormément au fur et à mesure de l'expérience. C'est-à-dire que quand on prend la manette au début et qu'on va la poser, on n'aura pas l'impression d'avoir joué au même jeu. C'est ces rebondissements, cette intensité qui va finalement croître de manière constante. On va suivre Eldwyn, on va découvrir et apprendre à connaître Eldwyn, cet Onavla, partir à la découverte de ce monde qu'est Oira, ce monde qui a l'air de prime abord innocent, magnifique, mais qui en fait, dans le fond, renferme des mystères, des secrets très très sombres. On aimerait sortir cette démo pour cet été. Mais quoi qu'il en soit, il sera bientôt temps pour vous de découvrir cet univers qu'est Oira.